Dès 6h du matin, les cloches de Paris résonnent pour alerter la population de l'événement exceptionnel à venir. En ce matin froid et pluvieux du 2 décembre 1804, Paris s'apprête à célébrer avec le plus grand faste la cérémonie du couronnement du nouvel empereur des Français, Napoléon Bonaparte, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour transmettre l'événement à la postérité, Napoléon décide de mettre l'art au service de la propagande napoléonienne. Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon, réalisera le Sacre de Napoléon, tableau peint entre 1805 et 1807, qui commémore l'avènement d'un nouvel empereur 800 ans après Charlemagne. Imposante par ses dimensions, 6 mètres sur 10, la toile de David, conservée au Louvre, est la plus grande du musée après les noces de Cana de Véronèse. Non content d'avoir commandé cette œuvre grandiose, Napoléon décide d'immortaliser les moments forts de cette journée au sein d'un superbe ouvrage, le Livre du Sacre, réalisé entre 1804 et 1814. 40 planches rehaussées d'or et de vermillon, gravées à sa gloire, viennent illustrer le descriptif de ces commémorations du 2 décembre. La reliure est de style empire, marocain brun à grains longs, dorés et estampés à froid. Les plats sont décorés d'un semé d'abeilles estampées à froid. Au centre, un rectangle de maroquin rouge à grains longs est mosaïqué et contient l'emblème de Napoléon encadré de 4 filets. Les contreplats sont couverts d'un maroquin vert à grains longs décoré d'un semé d'abeilles, encadré de 3 filets et d'une roulette. L'ouvrage est typographié et contient 41 tailles douces in folio, mises en couleur et rehaussées de doré et d'argenté. Les feuillets sont légèrement déformés et empoussiérés. Quelques-uns sont déchirés en bordure. Les serpentes sont piquées de taches brunâtres, froissées, voire déchirées sur les bords. La couture est lâche sur la première moitié de l'ouvrage. Certains cahiers ne sont plus maintenus. Le mors supérieur, le mors étant l'articulation entre le dos et les plats d'un livre, est fendu totalement, l'intérieur l'est partiellement. Les tranches-files sont détachées et fendues, la tranche-file de tête est très lacunaire. Les coins sont émoussés et déformés, le cuir comporte des lacunes. Le cuir des champs est abrasé avec quelques manques de dorure. Toutes ces dégradations sont sans doute imputables aux manipulations lors des consultations de l'ouvrage. En effet, de par ses dimensions, importantes et son poids, le livre n'est pas manipulable aisément. Lors du démontage, le corps d'ouvrage est désolidarisé de la reliure. On procède au débrochage. Les cahiers sont décousus un à un. Ils sont nettoyés par gommage, puis dépoussiérage. Les déchirures et les lacunes sont restaurées à l'aide de papier japonais et colle d'amidon de blé. Les fonds de cahiers sont renforcés avec des bandes de papier japonais afin d'éviter toute déchirure lors de la future couture. Les 41 serpentes sont retirées à sec et remplacées par de nouvelles serpentes en papier japonais collées en fond sur chaque planche. La serpente est une feuille de papier très mince et sans colle, dont le rôle principal est de protéger les gravures contre le maculage. Les éléments anciens retirés, les serpentes et le fil de couture, constituent ce qu'on appelle les défaits et sont conservés avec le document d'origine dans une pochette en polyester. La couture d'origine est une couture grequée sur 6 ficelles. Elle sera refaite à l'identique. Cette couture est réalisée à l'aide d'un cousoir, cadre en bois, qui permet de tendre les ficelles de chanvre sur lesquelles sont ensuite cousus les cahiers. La taille exceptionnelle de l'ouvrage oblige le restaurateur à changer de côté à chaque cahier pour réaliser sa couture.
On tend bien le fil de couture parallèlement au cahier pour éviter les déchirures, afin qu'il se place au fond du cahier et se serre sur la ficelle. Et on répète l'opération pour le cahier suivant. À la fin de la couture de chaque cahier et avant de passer à la couture du cahier suivant, un nœud est réalisé en tête ou en queue. Cela forme la chaînette de tête ou de queue. On commence et on termine la couture avec les pages de garde contrecollées de soie moirée verte. Le corps d'ouvrage est fin prêt. Le dos, ayant retrouvé son arrondi, est encollé et fixé à l'aide de papier japon. Les tranches fil sont refaites à l'identique. Depuis le XVIe siècle, les tranches fil sont devenues un élément décoratif qui soutiennent élégamment les coiffes en cuir. Pour cet ouvrage, elles sont à chapiteau pékiné tricolore, bleu, rouge et bi. La broderie est réalisée sur deux âmes en ficelle de tailles différentes. Après 4 ou 5 points, on repasse l'aiguille entre les cahiers sous la chaînette pour fixer les bâtonnets au livre. Les anciennes tranches fil sont conservées et ajoutées au défait. La peau est choisie en fonction de la peau d'origine, ici du maroquin. Le maroquin est une peau de chèvre épaisse et à très gros grains. C'est aussi un matériau précieux et coûteux. La peau nécessaire à la restauration est découpée suivant un gabarit pour limiter les pertes. La couverture est décollée au niveau des mors pour la pose d'un demi-cuir sur cap. Épais de quelques millimètres, le cuir ne peut être utilisé tel quel pour la couverture. Il doit être aminci pour plier facilement sans former d'épaisseur susceptible de gêner l'ouverture du volume. Les bords de la peau doivent être aussi fins que possible afin d'éviter les surépaisseurs dans les zones masquées. C'est ce que l'on appelle la parure. C'est au toucher entre les doigts que le restaurateur vérifie la régularité de la parure et en pliant la peau qu'il contrôle sa finesse. Une fois la parure terminée, on procède à la couverture. La peau est humidifiée et encollée avec de la colle d'amidon. Elle peut être ensuite posée sur le dos du volume. Les coiffes, replis qui surplombent la tranche fil, sont faites immédiatement après avoir réalisé les remplis, tant que la colle est encore fraîche et le cuir malléable.
Le nouveau cuir est affiné pour permettre la réincrustation du cuir d'origine. Après retrait des charnières d'origine et des résidus de colle, les nouvelles charnières taillées dans le même cuir que celui utilisé pour le dos sont appliquées avec de la colle d'amidon. L'ancien dos, qui avait été déposé, est à son tour travaillé afin d'être réincrusté sur le nouveau dos. L'ensemble des restaurations en cuir est retouché et mis au ton. La restauration est terminée. Avant d'entamer sa restauration, le livre du sacre de Sa Majesté l'Empereur Napoléon dans l'église métropolitaine de Paris a été numérisé et est désormais accessible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, l'une des plus importantes bibliothèques numériques accessible gratuitement sur Internet.